I would like, first of all, to thank the chair of the session for having convened this session, this Malien session. Également pour les mots très gentils qu'il a exprimés à mon endroit, à tel point que j'arrive à peine à me reconnaître là-dedans. I want to thank Ambassador Keita for having succeeded in organizing this meeting, and also for the kind words extended to me. I even don't recognize some of the words. So kind that I do not recognize some of them. Je suis là à la tête d'une forte délégation du Parlement malien. I am here at the head of a strong delegation. Pour venir expliquer à nos amis américains la situation dans notre pays. We have come to explain to our American friend the situation in which Mali is today. L'ambassadeur a déjà décrit les différentes rencontres que nous avons vues depuis hier jusqu'à aujourd'hui. His Excellency Ambassador mentioned the different meetings we had from yesterday to today. La rencontre que nous avons aujourd'hui, nous voit pourquoi. And the meeting we are attending now is a true honor to us. Parce que nous sommes en face de personnes qui ont pris l'engagement d'aider le Mali en tant qu'amis du Mali. N'est-ce pas, ils viennent de toutes les obédiences, de toutes les activités professionnelles, politiques, de tous les secteurs. Mais leur but, c'est de We are very happy to be in the presence of persons who are committed to help Mali, and the person from different sectors, from different competencies, who present and committed themselves to help Mali get out of the crisis. Ce message, nous allons l'apporter aux Maliens, parce que beaucoup de Maliens ne savent pas qu'il y a des gens qui sont dévoués. Your message will be forwarded to the people of Mali, to the government of Mali, because probably many of them do not know that there are women and men who are committed here to help Mali, to assist Mali. Remember, she is that like Cynthia Manchoye, said, I mean, and even in sealed example on which it is mentioned, friends of mine. Merci beaucoup. Thank you again. Thank you. Thank you so much, Monsieur Touré. I think that this is a perfect opportunity for people to ask questions. And so I'll call upon my colleagues. We'll take 3 questions at a time. And this gives us an opportunity. And please, no speeches. Just very concise questions. Je vous remercie, Madame. Ce sera l'occasion de donner la parole aux participants à cette réunion. Je vous dis, participants, pour poser quelques questions. Je propose qu'on aille à une série de 3 questions. Je ne parle pas de discours, mais des questions. Veuillez poser des questions. OK. Mr. Speaker, this gentleman right here is Bob Berg. His wife is the one that started this whole coalition. And he is the power. No, he is the power behind the throne. Bob Berg. Mr. Speaker, I first want to congratulate you on having such a wonderful ambassador. Yes. He is so proud.
advisor to the Economic Commission for Africa for 10 years and met with hundreds of ambassadors. He is outstanding and so patriotic and so forthcoming. So thank you for sending him to us. Merci pour nous avoir envoyé un ambassadeur si compétent et un ambassadeur si patriote. Donc, pendant ma vie professionnelle, j'ai eu à collaborer avec beaucoup d'ambassadeurs, mais il est important quand même que je relève, je souligne les compétences de cet ambassadeur, son esprit de patriotisme. Je remercie pour l'avoir envoyé. Speaker, because you are in the middle of the politics of Mali, we would very much like to know your view about how the next election is going to take place. Honorable Chef, vous êtes au cœur de l'activité politique au Mali. C'est pour cela que nous voulions savoir comment votre avis sur l'organisation prochaine des élections au Mali. Will the main tasks be completed before the end of July, and will there be inclusion of the law? Est-ce que la date maintenue sera maintenue, ou si est-ce qu'il y aura la participation de la partie nord à ces élections? All right, Adam. Yes, okay, you're smart, you can think of another one. C'est pour appuyer sa question, en fait, honorable président de l'Assemblée nationale. C'est, quels sont les défis que vous rencontrez en tant que président de l'Assemblée nationale par rapport aux élections des prochaines échéances électorales? Comptez-vous déjà? Adam, the question is, what are the main challenges to the organization of the next election? What are the main challenges to the organization of the election? Is it possible to hold these elections? Before I call on the next person who would like to ask a question, I want to point out to the speaker that people in this audience have written extensive papers on civil-military relations, on communication strategy to advance their expertise in these fields. So there's more than just meetings. There's actual substantive work that has been conducted. Donc, je voudrais vous informer avant de prendre la prochaine question que les membres de cette coalition, quand même, il y en a parmi eux, qui ont produit des documents très importants dans le domaine de la communication, dans le domaine de stratégie militaire. Donc, ils ont produit des documents très importants. And finally, I have to remind everybody that the policy of the coalition is non-attribution. No. Non-attribution. So you're not supposed to repeat the content that has been shared today. With names, associated with names. You're not supposed to record this today. You cannot record the proceedings today. De nous avoir dans votre résidence. Nous sommes très contents des bonnes nouvelles qui sortent du Mali avec la réunion à Bruxelles, des nouvelles sur le rapprochement entre le MNLA, le gouvernement, le début des pourparlers. Et je me demandais si vous pouviez nous donner un petit peu plus d'informations sur l'état d'avancement des préparatifs pour ces pourparlers. Je sais qu'il y a certainement des choses qui se passent derrière les coulisses, mais ce que vous pouvez partager avec nous, ça serait très intéressant. Merci. So, she thank you, honorable speaker, for being here. And also, she is stressing the advances, the progressive main regarding the resolution of the crisis in Mali, namely the offer of the government of Mali negotiating the MNLA, but if honorable could elaborate on how the electoral process is going on currently in Mali. So the dialogue between the MNLA and
And Pierre, she stresses is also the author of the dialogue between Malien and the MLA. Okay, Monsieur Torre. Merci beaucoup, madame. Thank you very much. Je voudrais d'abord présenter mes condoléances à mon ami américain parce que la tornade qui a eu à frapper les populations au Panama City a brûlé plusieurs familles. Donc je voudrais présenter mes condoléances à cette famille. Thank you very much for giving me the floor. Now, I would like to say that my arrival here concerning the storm that struck Oklahoma City. Mm-hmm. On that said occasion, allow me to present my sincere condolences to the American people, for the American government, and to you too, the American government. Je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire l'aide américaine au Mali, non seulement le gouvernement américain a été le principal appui dans l'adoption des résolutions pour trouver une solution à la crise malienne, trois résolutions qui ont appuyé le gouvernement américain et vraiment au centre de l'État. Et ensuite, dans la recherche des moyens pour assurer la sécurité, du Mali, le gouvernement américain a aidé le Mali en apportant son appui à la mission française, la mission Serval qui est partie et qui a permis, n'est-ce pas, de stopper l'avancée des troupes. I would like to confirm all the figures that Megan has given regarding the assistance of America to Mali. America has really supported the Mali since the beginning of the crisis in Mali. And America, more than that, America supported the French intervention in Mali. And that means that America is a true partner of Mali, which has really helped Mali since the beginning of this crisis. Elle a donné d'ailleurs des montants, n'est-ce pas, des rencontres sur les seuls objectifs de voler, le volet humanitaire, le volet militaire, le volet organisation des élections. Et puis moi, c'est pas encore arrivé. C'est un peu un peu de partie avant. Nous avons donc tout simplement, dans ce qui concerne l'engagement de Bruxelles, que la mobilisation soit assez rapide lorsque le moment sera le plus. Megan again gave figures on this figure in the different areas where America has assisted Mali. I confirm again that this is true, but more than that, we would like that pages made in Brussels, there is more mobilization, much mobilization, and very quick disbursement of these funds to allow Mali beyond the security issues to address its social and economic development. Je vais répondre maintenant aux questions qui m'ont été posées. Actuellement, le gouvernement pour l'Assemblée nationale et les partis politiques d'ailleurs ont été engagés pour l'organisation des élections. Currently, the government of Mali and the political parties are fully committed to call the elections at the indicated date. And normally, un program a été approuvé par le gouvernement. A timeline has already been adopted by the government. Qui fixe les élections présidentielles pour la fin du mois de juillet. Say that elections will be held by the end of July. Et qui propose les élections législatives pour le mois de septembre. And this timetable also proposes the holding of legislative elections in September. La préparation technique est assurée par un département, qui est le département de l'administration.
The technical preparation of the election is ensured by the Ministry of Administration, Territorial Administration. Et le ministère est vraiment engagé à faire la préparation. And this ministry is really committed to perfect the preparation of the election. Un certain nombre de dispositions législatives doivent être adoptées par l'Assemblée nationale, parmi lesquelles l'adoption de la loi électorale qui a été modifiée. Cette loi électorale a été adoptée de fin, c'est-à-dire l'avant-hier. So some legislative measures needed to be conducted for the organization of the election. One of the measures is the new electoral law, which has been adopted the day before yesterday by the National Assembly of Nations. Les défis auxquels nous avons à faire face sont d'abord des défis sécuritaires. Our main challenges are security first. Les défis de mobilisation, n'est-ce pas, des défis. And mobilisation of the different stakeholders. En ce qui concerne les défis sécuritaires. As far as security is concerned, le Mali est en train de rentrer dans la phase de résorption, n'est-ce pas, de la crise sécuritaire. Mali has entered a step where it is able to solve the security crisis. Mais on ne peut pas dire que la crise sécuritaire est définitivement réglée. But we cannot say that there is a total security in Mali today. We cannot say that. Parce qu'il y a des poches de résistance, ça et là, à l'intérieur du pays. Because we are still identifying some resistance pockets in the country. Et l'armée malienne, les armées africaines, appuyées par l'armée française, sont en train de se mobiliser sur le terrain. And the Malian army, supported by the African and French armies, is on the ground, on the field, to address this security issue. Un des points les plus difficiles à régler aujourd'hui, c'est la question de Kidal. And the one very difficult point today is the issue of Kidal, the northern town of Mali, Kidal. Où une partie, n'est-ce pas, des terroristes, parce que pour nous c'est des terroristes, qui ont pris les armes, c'est-à-dire le MNMA, détient des armes et empêche l'armée malienne de rentrer. As you know, some rebel groups have taken arms and occupied this part of this town and prevent the Malian army from entering into Kidal. Il est évident que si l'armée malienne ne prend pas possession de Kidal, si les autres armées ne rentrent pas à Kidal pour amener la paix et la sécurité, il est difficile d'organiser les élections à Kidal. It's obvious that if the Malian army is not able to enter Kidal, or the other armies are not able to enter Kidal, elections will probably not be held in Kidal. La position des autorités maliennes, gouvernement et assemblée nationale, c'est que les élections doivent se passer sur l'ensemble du territoire malien. The position of the Malian authorities, both government and parliament, is that elections are held on the whole territory of Mali. Donc il faut que l'ensemble du pays soit sécurisé, que ce soit sous contrôle gouvernemental. And that means the whole country needs to be secure and be under the control of the government of Mali. Parce qu'on ne peut pas admettre deux armées dans le même pays. Because we cannot accept two armies in the same country. On ne peut pas admettre également qu'une partie de la population malienne veut imposer son point de vue par la force des armes. We do not want to accept that part of Malians want to impose their view on the other Malians through arms. Parce que nous sommes en démocratie, même s'il y a eu un coup d'État, le Mali quand même est dans un processus de démocratie depuis 20 ans.
Nous estimons que toutes les revendications, quelles que soient, doivent se régler par des dialogues et des débats. As you know, Mali is a democracy. Since 20 years, Mali is experiencing a democratic system. And there is real democracy. I recognize that there was a coup, but still, this has not stopped democracy in Mali. If Malians have any claim, they can do this claim democratically. Donc, ce que nous avons prévu à tous les niveaux, c'est de dire au MNLA de déposer les armes, de reconnaître l'intégrité territoriale du pays et de reconnaître la laïcité du pays. What we have said is that MNLA should lay down arms. MNLA should recognize the integrity of the territorial integrity of Mali. And the MNLA should recognize that Mali is a secular state. Et ils viennent à la table de négociation. And we have invited them to the negotiation table. Ce qui vient d'être engagé par le gouvernement, par la mise en place d'un émissaire. And this is what has been undertaken by the government of Mali by appointing a mediator. Il est un ancien ministre de l'Affaires étrangères et il connaît bien le problème. This appointed mediator is a former minister of foreign affairs of Mali, and he is well aware of the thing of the situation. His name is Chimé Drami. Et il sera en relation avec le médiateur de la CDAO et le président Blaise And he will be in touch with the mediator, ECOWAS mediator, for the president of Burkina Faso, Blaise Compaoré. Donc nous estimons que si ces négociations aboutissent dans le meilleur délai, les élections peuvent avoir lieu en juillet. We think that if these negotiations are successful, it's possible to hold elections in July. Parce que l'administration peut se déployer partout. Because the administration will be deployed throughout the country. Les forces de défense et de sécurité vont se déployer partout. Defense and security forces will be deployed throughout the country also. Les personnes déplacées à l'intérieur du pays qui ont déjà commencé à aller malgré ces difficultés, ces personnes vont continuer à venir s'installer dans les lieux de résidence. Internally displaced persons will come back home. Et en ce qui concerne les réfugiés, le gouvernement est en train de négocier avec les pays d'accueil. And as far as refugees are concerned, the Malian government is negotiating currently with host countries. Donc nous pensons que le défi à relever, on peut le faire avec la coopération internationale, avec l'appui de nos pays d'amis, tels que les États-Unis qui peuvent demander aux rebelles de déposer les armes et de venir sur la table de négociation. I think challenges can be met with international cooperation, and with the assistance of the United States, who can ask MNLA to lay down arms. La France peut le faire parce que la France a son arme à Kigali et à Kigali. France can do it because there is a French army in Kigali. Le Tchad peut le faire parce que le Tchad aussi a son armée dans la zone. Tchad can do it also because Tchad has its army in this area. Le Mali n'a pas besoin d'une nouvelle crise. Je crois que le peuple a trop souffert pour que réellement se lance dans une nouvelle crise qui n'en veut pas la peine. Mali does not want a new crisis. I think the people of Mali suffer a lot due to this crisis. Les élections, c'est important parce que nous vivons dans une période de transition. Une période de transition doit prendre fin. Elections are important. It is important to have elections because currently we are in a transition and we have to put an end to this transition. Seul un gouvernement de transition peut attaquer le vrai problème de développement de notre pays. Le vrai problème concerne la vie des populations
concerne l'emploi des jeunes et des femmes, et il faut réellement que dans cette direction, que la communauté internationale ait confiance au gouvernement qui sera en place. When we hold elections, the international community would trust them. It would no longer be a transition government, but it would be a democratically elected government, which received the trust and the confidence of the international community. Thank you. Mr. Speaker, we long to see that day, and we know we will in the future. You've been very generous with your time. This meeting is slated to conclude at 1:30, but we'll conclude earlier. I ask your permission to ask for another round of questions, and then we'll conclude our meeting. Je vous remercie, We want you to save your energy for going back to Capitol Hill and your other meetings this afternoon. To assist Ambassador Keita and the Speaker and the wonderful delegation in sort of shepherding them around through the Capitol and making sure that they found the right places. And you have a name, I assume. Oh, my name is Russ Clyde. I'm also with THC, and I have been also engaged in assisting the ambassador and the delegation. Thank you. We'd just like to know who's joining us. Alan. Honorable Touré, je me réfère au plan de relance durable du Mali et ses 12 priorités. I refer to the plan to restart Mali and its 12 priorities. Okay. La deuxième priorité est de répondre aux urgences humanitaires et aux conséquences de la crise. The second priority is to respond to humanitarian emergency and to the consequences of the crisis. Maintenant, plus d'un an après le commencement du conflit, il y a des enfants nés aux filles et aux femmes violées dans le Nord. Here we are, more than a year after the beginning of the conflict, and there are already children being born to the women and girls that were raped in the North. Et il y a des familles qui ne veulent pas du tout accepter ces enfants dans leur foyer. And some families do not want to accept to keep these children in their homes. Si on ne s'occupe pas d'eux, ils peuvent être ciblés pour recrutement éventuel par les jihadistes. If something is not done to help them, they can potentially be recruited by jihadists in the future. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces enfants? What will happen with these children? Je vous remercie. Lawrence, one more question. I think my question is the long-term national integrity of Mali. The terrorists were chased out of the north. The French army says, and I've gotten this from my own sources, will stay there indefinitely, the French army, to deal with the terrorists. And the problem with the MLA is that they may not agree to negotiate and work out this election. So how do we move forward to actually have a country that represents all the people, which is going to require more than simply an election, although I think that's an important step. Elections do not simply solve this problem of national unity for Mali. Donc, sa question concerne l'intégrité territoriale du Mali à long terme. Il a posé la question de savoir quand sera-t-il, comment,
moi, c'est cette individu, ou bien cette prendre cette individu, par exemple, nous savons que la France a chassé, avec l'intervention française, les groupes ont été chassés de Mali. Cela est vrai. Est-ce que ces groupes sont chassés pour tout, pour une fois pour toutes? Ensuite, il a posé la question du MNLA. Au cas où le MNLA n'accepterait pas de venir à la table de négociation, comment peut-on envisager la position du Mali, l'unité du Mali sur le MNLA de l'époque de négociation? And final question, Christos. Thank you. I'm between two answers. Mr. Speaker, thank you for being here, honoring us, Ambassador. Question that I have is there has been a reconciliation and dialogue committee put together by 30 commissioners and chairmen, and we are very happy at MaliWatch to see this development. And we would like to know what the progress has been since its conception, and also whether it can begin in parallel to the negotiations in the north with the MNLA. Nous vous remercions d'être là, monsieur l'honorable. Donc, ma question concerne la mise en place de la commission dialogue de réconciliation. Il est vrai que vous avez réussi à mettre en place, vous avez réussi à mettre en place cette commission dialogue de réconciliation. Est-ce que la commission a effectivement commencé à travailler? Comment la commission peut mener ses activités parallèlement aux négociations avec, en parallèle aux négociations avec le MNLA, le gouvernement même avec le MNLA? Très bien, je vais commencer par la commission dialogue. Effectivement, cette commission est au centre, n'est-ce pas, du processus mis en place pour amener le Mali à être dans une situation de paix et de stabilité. This committee is on the heart of the concern, to bring peace, allow to bring peace to Mali. There are 33 members of the committee. Et dans sa composition, elle comprend l'ensemble des régions et les communautés, l'ensemble du pays. And all the regions of Mali, all the communities are represented in this committee. Et elle comprend des femmes. There are women in the committee. D'ailleurs, la vice-présidente, c'est une femme qui est responsable de la plus grande association féminine au Mali. The first vice chair of the committee is a well-known woman who is the chair also of the biggest women's association of Mali. Et le deuxième vice-président est un Touareg, justement, de Kidal. And the second vice chair of the committee is a Touareg from Kidal. Il est très impliqué. Who is well aware of the problems in Kidal, who is well aware of the problems of this community. Bon, la commission a commencé à travailler. The committee has already started its activities. Elle va, disons, faire des écoutes à l'intérieur de la société malienne. The committee will carried out hearings in Mali, in the different parts of Mali. Depuis les régions jusqu'au niveau national. From region to the national level. Donc elle va essayer de rassembler vraiment l'ensemble des opinions des gens et de tracer une voie de réconciliation. This committee will gather all the opinions of the different communities of Mali, and it will through a pass for reconciliation. Pour recoudre le tissu social qui a été fortement endommagé par la guerre. To put together the social fabric of Mali that has been disintegrated. Contrairement à ce qu'on pense à l'extérieur, le Mali est un pays qui facilement peut se retrouver. Les gens se pardonnent, les gens ont l'habitude de ce genre de conflit. Leur solution se trouve toujours sur le plan communautaire. Contrary to what is said elsewhere, Mali can be easily
increasingly concerned, very, very increasingly concerned, because there were conflicts before this crisis, and they reconciled themselves very quickly. Donc cette même commission va parler aux familles qui ont eu l'espace de ce cadre des enfants qui sont nés à la suite des agressions, vont parler aux familles, n'est-ce pas, pour qu'elles acceptent, n'est-ce pas, les situations exceptionnelles. This same committee will talk and hear families who have been victims of rape, families who have been victims of rape, and it will talk to them and it will sensitize these families. La commission va parler aux femmes qui ont été agressées. Cette commission va parler également aux gens qui ont été soupçonnés de participer. Disons, pas au terrorisme, mais en tout cas à faciliter l'implantation du djihadisme, etc., pour recoller les morceaux. This committee will talk to the women victims of aggression, even people who have been suspected of collaborating with the occupants, with those who occupied the region. Anyway, the committee's mission is to try to put together again the social fabric of Mali. Pour que les gens ne fassent pas les actes de poule, pas les actes de vengeance, les uns et les autres. People will not take revenge, will not avenge themselves. Cela n'exclut pas la justice. Il y a des gens qui seront saisis, n'est-ce pas, devant les tribunaux. But this will not exclude the justice to be made, because those who have been suspected will be blamed before justice, will be brought to give justice. En ce qui concerne le MNLA, personnellement je suis optimiste que le MNLA va déposer les armes. As far as the MNLA is concerned, I'm really optimistic that the MNLA will lay down arms. Parce que le MNLA ne représente pas toute la communauté Touareg, il ne représente pas toute la communauté, toutes les communautés vivant au nord. Because MNLA does not represent the whole Touareg population, it doesn't represent all the northern communities. Et de jour en jour, on voit les gens qui se détachent du MNLA pour dire qu'ils ne sont pas contre la réconciliation, ils ne sont pas pour la division du même. And from day to day, we have noticed some leaders who no longer belong to MNLA. They waive their belonging to MNLA, even in Kidal. Je pense qu'on n'ira pas jusqu'à l'extrême. On ne va pas aller prendre les armes contre les MNLA. Je pense qu'ils arriveront au bon moment pour garder la raison. I'm still optimistic and I think that we will not be so extreme. We will not take arms against MNLA. I think MNLA will be able to come to the negotiation. Thank you. Mr. Speaker, your being here and your colleagues today gives all of us working on with you more confidence that peace will be restored to Mali and these problems will be overcome. And I think it's very opportune at this particular point in time that you're with the Congress or within the State Department. This is the longest effort on any watch committee that we've had. You said that the people of Mali have suffered, and we want you to know that we're not immune to your suffering. So we're going to stand with you until your objectives are realized. And I want to commend Ambassador Keita yet again, Megan McPhee and the Department of State, because without those sources of information, we could not have the prerequisite knowledge we need to make sound decisions. So thank you. Je remercie, honorable, je remercie, je remercie, je remercie.